Salut mes aventuriers préférés. Bon, allez, je vais vous faire voir quelque chose là que je trouve qui n'est pas normal sur les couronnes de préfilés qu'ils vendent là. Alors j'ai acheté une couronne préfilée là, je viens juste de la déballer. J'ai acheté ça 100 et quelques euros. Donc couronne de préfilé en 2,5 mm carré, 100 mètres de gain, d'accord. Et regarde. Donc ça, c'est le bout de ma gaine, d'accord. Donc, pour pas que le fil y rentre ou le perdre en cours de route, il va falloir que je le dégaine, ok. Donc allez, je vais le dégainer. Pour le dégainer, je vais prendre un cutter et je vais venir faire une entaille, d'accord. Donc allez, je fais une entaille. Là, j'ai fait l'entaille, d'accord. C'est juste pour te faire voir, regarde. J'ai fait l'entaille et regarde, là j'arrive au câble, ok. Et regarde la patchaque, franchement. C'est pas une patchaque ça, regarde. J'ai un peu plus de 20 cm de gain dans le vide. Donc ça veut dire qu'on te vend 100 mètres. Et t'as 20 cm déjà qui part en cacahuète. Et encore, j'arrive pas au câble, tu vois. Donc je vais devoir dégainer un peu plus bas. Donc là, je vais dégainer ici. Ok. Voilà. Et voilà, donc ça veut dire que déjà, tu perds au moins 30 cm de gain à la poubelle. Et en plus de ça... Je sais pas si c'est une arnaque ou pas, mais il te manque 30 cm de fil. Alors tu me diras, c'est rien sur une install. Mais quand t'en fais je sais pas combien et que tu payes 100 euros le rouleau, je trouve pas ça normal. Voilà. Donc mets-moi en commentaire si tu trouves ça logique. Mais pour moi, franchement, je trouve que c'est quand même abusé parce que sur des constructions, des fabrications de rouleaux, c'est sûr, hein, si t'en fais 1000. Eh ben, 30 cm x 1000, calcule, hein, je te laisse calculer. Et au prix du cuivre, voilà. Bon, allez, sur ce, mon aventurier, à bientôt.